Et bonjour la famille, soyez le bienvenu sur ma chaîne, moi c'est Evi Mawete. Aujourd'hui je me suis décidé à vous révéler le matériel que j'utilise pour monter mes vidéos. A l'instar de tout le matériel, ce qui nous intéresse c'est l'adaptateur. Tout au long de cette vidéo, je vous montrerai comment fabriquer un adaptateur, c'est-à-dire un power bank pour vous ravitailler si vous utilisez un téléphone pour vous filmer. Ceux qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir pas mal de vidéos prochainement. Lâchez-moi plein de likes, la famille, ça ne coûte rien. Passons à la vidéo sans plus tarder. Bang bang! Voilà la famille, le matériel que j'utilise. Il s'agit d'un stabilisateur, d'un ordinateur, un power bank ainsi qu'un téléphone. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le power bank. Vous avez assez de moyens, achetez-vous un power bank. Si vous n'en avez pas, je vais vous montrer comment en fabriquer un seul. Donc voilà, nous aurons besoin d'un carton, d'une conduite plus moins, d'une batterie bien évidemment, d'une entrée USB, de la colle, d'une palette de tournevis ainsi que d'un quêteur, soit un ciseau. Voilà comme la batterie s'est présente. La batterie, on peut la trouver un peu partout dans des quincailleries ainsi que cette conduite plus moins qui va avec la batterie. Donc voilà, ainsi que ces matériels, donc la sortie USB, je dirais, avec lampe témoin, surtout très important, il faudra que ce soit muni d'une lampe pour pouvoir vérifier si ça marche. Donc la colle, un carton vide pour pouvoir placer la batterie à l'intérieur, les cartons que nous allons perforer par la suite et une palette de tournevis, un quêteur bien évidemment. Donc voilà. Nous allons dévisser déjà l'entrée USB pour ne rester qu'avec ce qui nous intéresse, c'est-à-dire cette entrée USB. Nous allons essayer d'enlever la carcasse. Voilà. Minutieusement pour ne rien casser à l'intérieur. Je pense que c'est bien facile. Donc voilà. On continue d'enlever pour rester avec l'essentiel. Donc voilà ce qui nous intéresse. Voilà comme elle se présente. Exactement. Surtout besoin de la lampe témoin pour vérifier si c'est bon. Et l'entrée ainsi que de la sortie. Nous avons le plus, le moins. Généralement, le rouge, c'est toujours le plus. C'est-à-dire la sortie, soit l'arrivée de l'électricité, ainsi que le moins qui est en noir. Nous allons essayer de raccommoder. Voilà. Et de l'autre côté surtout, de mieux raccommoder. Encore une fois. Voilà, essayer de tourner encore une fois, c'est bon je pense. Ok, voilà comment elle se présente, c'est arrivé. Nous prenons la batterie pour vérifier si elle marche réellement. Donc voilà, la batterie vous la trouvez un peu partout, dans des quincailleries surtout. Voilà, je pense que c'est bon, la lampe témoin nous signale que ça marche bien, elle bien. Nous aurons besoin d'un câble USB bien évidemment, ainsi que d'un téléphone pour pouvoir vérifier réellement si elle marche. Donc voilà un téléphone, nous allons brancher le câble. Et ben voilà, ça affiche très bien que ça marche. Donc voilà la famille. N'hésitez surtout pas à me laisser plein de pouces bleus et écrivez en commentaire les difficultés que vous rencontrerez, je pense, lors de la fabrication de votre power bank. Nous avons perforé le carton pour pouvoir sortir l'arrivée de l'USB du câble carrément. Donc voilà, avec sa lampe témoin pour toujours signaler si la batterie fonctionne réellement. Donc voilà, maintenant nous avons besoin d'une colle.
Elle est là, la colle. Voilà, parfait. Je pense que ça va bien le faire. Voilà. Ce sont des transitions que je suis en train de réaliser. Il y a une vidéo qui viendra, qui parlera rien que de transitions. Et ces transitions pourront vous aider pour réaliser vos vlogs, c'est-à-dire vos vidéos. Donc voilà, nous allons coller très bien. Fait un tout petit peu précipitamment, donc vous, je pense que vous prendrez votre temps à le faire tranquillement, heureusement, pour que tout soit superbe. Donc voilà. Je pense que c'est bon, nous allons mieux coller encore un tout petit peu. Voilà, c'est bon. Je pense que c'est ok. Voilà, nous aurons besoin de ces câbles déjà branchés du téléphone pour le résultat final. Le téléphone, on branche les câbles. Voilà, ça marche effectivement. Et de l'autre côté, nous voyons que ça marche. Donc voilà la famille. Et la famille, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me lâcher plein de pouces bleus, vos suggestions et conseils en commentaire. Il y a mes réseaux sociaux qui vont défiler juste en bas. Abonnez-vous et écrivez-moi en privé. Partagez la vidéo à qui ça peut intéresser. Moi, c'est Vimaoïté et je vous dis ciao, ciao, ciao.